Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV en ce mardi 14 mai, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous avec le journal préparé par la rédaction. D'abord, vos prévisions météo avec encore du soleil, un temps bien dégagé, bien ensoleillé, mais un temps frais de nouveau. Le vent continental de nord-est, la bise, continue de souffler dans la région et d'apporter cet air frais. Les températures progressent quelque peu par rapport à hier, mais restent inférieures au normal de saison. 15 degrés aujourd'hui à Saint-Omer, 14 à Boulogne-au-Touquet, 12 petits degrés seulement à Dunkerque et à Calais. La météo complète après ce journal. À la une de l'actualité, en ce mardi, du sport avec le départ des 4 jours de Dunkerque. La grande épreuve cycliste régionale revient pour 6 étapes à travers les Hauts-de-France tout au long de la semaine. Nous vous proposons de suivre, en partenariat avec la radio régionale Delta FM, la course chaque jour, l'étape du jour, le résumé de la veille. Cyril Frémin nous dit tout concernant cette édition 2019. Bonjour Adrien, bonjour à tous, bienvenue ici à Dunkerque où dans quelques minutes va démarrer la 65e édition des 4 jours de Dunkerque. Une 65e édition qui nous promet beaucoup de spectacles hein, avec notamment de très gros noms du cyclisme mondial. Vous allez retrouver un ancien vainqueur de Paris-Roubaix, la grande classique, de Paris-Tours, du Tour des Flandres. Il y a même un garçon qui a gagné 3 étapes sur la grande boucle, le Tour de France. Donc beaucoup de spectacles jusque dimanche. Pour ceux qui aiment les beaux paysages, vous allez voir du pays, vous allez voir de la région hein, pendant ces 6 étapes. On pense évidemment à celle des monts entre Gravelines et Cassel qui est toujours magnifique. Mais celle juste avant aussi, entre Fort-Mahon et Le Portel, vous allez voir la côte d'Opale, ce sera magnifique. Et puis même cette étape aujourd'hui, hein, entre Dunkerque et Condé-sur-l'Escaut, elle sera très belle et elle sera aussi pas évidente parce qu'il y a un parcours final tout autour de Condé où les routes sont très étroites. Donc le peloton sera en difficulté et les spectateurs eh bien, vont en prendre plein les mirettes. Donc voilà, rendez-vous dans les prochaines minutes pour cette étape. Et puis nous, on se retrouve tout au long de cette semaine avec notamment notre consultant cyclisme, Philippe Limousin, le président de la Ligue des Hauts-de-France, le président du club de Grande-Synthe. On va vous faire vivre cette magnifique course, les 4 jours de Dunkerque. Les 4 jours de Dunkerque à suivre sur Grand Littoral TV avec la radio Delta FM dans les prochains jours. Les élections européennes également dans moins de 2 semaines désormais. Le dimanche 26 mai, nous aurons entre 34 listes candidates pour choisir, pour élire nos députés français au Parlement européen. La campagne officielle a démarré hier en France, mais avec autant de candidats, difficile pour beaucoup de personnes aujourd'hui de savoir pour qui voter entre les têtes de liste plus ou moins connues, les partis historiques ou les nouveaux. Pour de nombreux électeurs, la question du vote ne semble pas encore tranchée. Écoutez ces quelques passants à Calais, interrogés par Corentin Escaillé. Nous, les retraités, donc on va regarder un peu ce qu'il prévoit de faire. Alors, je ne saurais pas, tout bonnement. Je pense que je vais aller voter. Je n'ai pas décidé encore du tout pour qui j'allais voter. Je ne me suis pas trop interrogée sur le sujet. Pas pour l'instant, mais je vais aller voter. Donc, je me renseignerai à propos des listes avant d'aller voter, je pense. On a le choix, hein. Il n'y a pas de problème. On choisira, comme je vous dis, ce qui me paraît être le meilleur. Voilà. Vous avez trouvé? Hein, je sais pas, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de trouver dans les mois mauvais. La droite de M. Macron ne me déplaît pas, maintenant, puisqu'il y a un mélange des avis et tout. Et comme ça va être, je pense, un défenseur de l'Europe, il donne l'impression d'en vouloir, quoi. Je voterai pas extrême droite, ça c'est une certitude. Extrême gauche non plus, je voterai pas les extrêmes. Après, je pense plutôt voter pour une personne plutôt qu'un parti. Au chapitre santé, une campagne de prévention contre le cancer de l'ovaire cette semaine en France. Les hôpitaux se mobilisent pour sensibiliser les femmes quant au risque de cette maladie difficile à détecter. C'est un cancer silencieux, sa propagation se fait souvent sans symptômes, sans signes explicites, ce qui rend sa détection difficile et souvent trop tardive. On a ainsi dénombré 4714 nouveaux cas en 2017 en France pour 3111 décès, d'où l'importance de la prévention et d'un contrôle régulier chez un gynécologue. Cette semaine, les hôpitaux, je vous le disais, organisent plusieurs ateliers de sensibilisation et explications recueillies par Rémi Desremaux. Ça reste à peu près stable maintenant. Par rapport à d'autres cancers, effectivement, l'ovaire n'a pas montré de choses particulières dans l'alimentation, ces choses-là, ou le tabac. C'est parfois aussi des traitements hormonaux qui peuvent jouer.
Beaucoup de personnes incriminent les pilules, mais en fait non, les pilules ont plutôt un facteur protecteur, même s'il est minime. Mais c'est justement la difficulté de l'ovaire, c'est que on n'a pas forcément de gros facteurs de risque de cancer. C'est surtout le côté familial. Donc effectivement, quand dans la famille il y a eu des cancers de l'ovaire, il faut être vigilant par rapport à ça. En bref, dans l'actualité du littoral, notez de nouvelles restrictions de circulation pendant 5 semaines sur la 16 avec la reprise du chantier de l'éclairage public entre les échangeurs 48 et 49 ainsi que sur la rocade portuaire de Calais. Chaque jour de 8h à 18h, des voies seront neutralisées, des échangeurs fermés. Des ralentissements sont à craindre. On termine avec tout autre chose. Avis aux fans de Game of Thrones, si vous êtes à jour de la série ou même si vous avez quelques épisodes et saisons de retard, vous apprécierez à Delette, près de Thérouanne, au sud de Saint-Omer, un food truck inspiré des livres et de la série. Son nom, Game of Croc. Son gérant parcourt les festivals médiévaux dans la région et la France pour vendre ses croque-monsieur au nom évocateur de Croc Khaleesi, Croc Cersei ou Croc Ramsay, des noms bien connus des amateurs de la saga. Prochain point de chute pour Antoine Christian, le gérant, le festival médiéval de Saint-Omer, début juillet. On l'écoute au micro de Marine Kijek. J'ai démarré en août de l'année 2017, donc l'année dernière. J'avais quelques recettes à l'époque. Ce sont 7 recettes que j'ai inventées à l'effigie de certains personnages mythiques de la série. Hein. Donc j'ai inventé 7 recettes. Et puis il y a certains personnages qui plaisent, d'autres non. Et ça se ressent notamment lors de la vente de mes crocs. Il y a certaines personnes qui ne mangeront pas de Ramsay. Voilà, par exemple. Et puis, quelques images à Dunkerque pour évoquer l'exposition Gigantisme en place depuis une dizaine de jours dans divers lieux de la ville. Jusqu'en janvier, la cité de Jean-Bart accueille une triennale artistique explorant les liens entre l'art et l'industrie. Gigantisme propose ainsi de découvrir aussi bien des œuvres en extérieur qu'au sein des musées habituels tels que le FRAC, le LAC et la friche industrielle de la Halle AP2, sans oublier le Cursal qui vient d'ailleurs de profiter d'une transformation toute en couleurs. Les œuvres sont signées d'artistes, d'ingénieurs, de designers ou de graphistes et sont exposées aux quatre coins de la ville jusqu'en janvier 2020. On en reparlera. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo. Très bonne journée à tous.